Ils sont égarés d'une ruche ou quoi? C'est la période de multiplication. Ah voilà. On peut se dire qu'ils rentrent à l'intérieur ou non? Oui, oui, ben, ils rentrent à l'intérieur. Là, on parle de nous. Oui. Non, mais là, viens, Maxime, viens, va pas trop près. Oui. Maxime! Oui. Écoute ton papy, parce qu'une piqûre, ça fait mal. Hein. Oui. Viens par là. Oui. Ça meurt quand ça pique ? Oui. Contrairement à la guêpe, c'est le frelon. L'abeille perd son art, elle le laisse sur toi. Donc ça peut pas nous piquer volontairement. Je vais chercher le scotch. Non. Prêt? Non, ma chérie. Tu vois, pour nous, il n'y a pas de Coupe du Monde. Hein. Ouais. C'est la Coupe du Monde des abeilles, là. Ouais. Beaucoup d'abeilles. Il y a beaucoup d'abeilles? Ouais. Non, c'est un petit essaim.
T'as vu l'abeille à l'envers? Une abeille à l'envers? Elle était sur son dos. Ah, c'est à cause du blanc. Les abeilles ne voient pas le blanc. Pour perdre-t-il le chapeau? C'est pour ça que papa, il met un voile blanc dans l'arbre pour plus qu'elle retourne à l'endroit. Voilà, ils vont encore se faire réfugier sur l'arbre. Que j'ai, ils voient pas le blanc. T'as tout compris. Ils voient pas mon habit, le truc blanc, il n'y a pas les taches. Dans le trou, c'est pour ça que t'as peur, le devant de la ruche. Exactement. Encore un beau petit mâle là. Tu vois le mâle? Ouais, sur la vanille. Il est beau, hein? Il est bien dur, il est capable d'aller féconder une reine. On voit le beau petit mâle, avec des beaux anneaux. Allez, on le relâche parce que les mâles, c'est aussi important que les abeilles. Les filles aussi. Ah bah, c'est elles qui font le miel, hein. Ils font le miel, les filles. Il y en avait une de coincée. Ouais, enfin, il a décoincé. Elle est morte. Elle est morte, tu crois? Tu crois qu'elle est morte? Oui. Il reste qu'une bête moins.